Salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière sur FIFA 15, la carrière avec Shrewsbury. Et aujourd'hui dans cet épisode on va faire un match contre Birmingham City, ensuite un match contre Hull City et ensuite un match contre Peterborough City, non Peterborough tout court. Voilà, en FA Cup, le premier tour de FA Cup, c'est ça je crois. Donc on va faire jouer l'équipe A, puis l'équipe B contre Hull, et enfin l'équipe A en FA Cup, parce que j'aimerais bien gagner la FA Cup. Je préférerais gagner la FA Cup que la Capital One. Déjà, ça rapporte plus d'argent. Et ensuite, ça donne une qualification en Europa League, donc c'est toujours ça qui est bien. Allez, ça nous ferait gagner du temps pour la saison prochaine. On va jouer en couleur extérieure contre Birmingham City, avec l'équipe A, donc ouais, l'équipe A qui est bien, c'est bon. Avec l'équipe A qui est en pleine forme. On va bientôt arriver aussi au Mercato. Accessoirement. Alors bon, on n'a pas beaucoup d'argent et honnêtement je sais pas trop quoi recruter. Honnêtement je sais pas trop, parce que il me semble que ça soit mon équipe A ou mon équipe B sont quand même pas mal. Elles ont largement le niveau de cette troisième division, de cette deuxième division pardon. Et je n'ai malheureusement pas les moyens de m'acheter un vrai top player. C'est avec juste un petit million de budget. Ça va, mais tu te fais marcher dessus et toi tu dis rien. Toi. T'es comme ça, toi. Tu te fais marcher dessus, tu dis rien. D'accord. D'accord. Ça commence bien. Bien joué en tout cas la défense. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? Les enfants, calmez-vous un tout petit peu. Hein, j'allais dire calmez votre sexe, mais calmez-vous un tout petit peu, les enfants. Ouf, 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 ouf. De justesse qu'elle passe celle-là, de justesse. Et ouais, ouais. Ouais, parce qu'elle est mal donnée celle-là. Elle est très très mal donnée. Allez, Alvarez, qui donne? Oh, c'est pas vrai. Ouais, tacle par derrière, c'était un tacle sale. Ça méritait un bon petit carton. Et ça aussi, ça méritait un bon petit carton, parce qu'il n'a pas le droit de me faire passer le ballon entre les pieds, là. Ça arrive tout le temps, ça. Ah. Là, il va revenir en carton. Bon, c'est pas étonnant. Je ne suis pas surpris. Je ne crie pas au scandale, hein. Vous aurez remarqué, pour une fois, je ne crie pas au scandale. Et c'est touche pour nous. Non, c'était pas pour là la touche, mais c'est comme tu veux, garçon. Allez. Oh, dommage, dommage, dommage. Personne n'a suivi en fait. C'est ça le problème, c'est que personne n'a suivi. Il va l'envoyer droit devant le milieu. Bien joué. C'est quoi ça, quoi? Non, mais c'est quoi ça, le mec, quoi? Le tacle du type, quoi. Quand tu vois le tacle du type, tu te dis comment il fait pour pas choper la jambe du joueur en même temps, quoi. Non, mais là... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas... Il est tombé tout seul! Non, 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 non! Eh, c'est le ballon, il était sorti! Le ballon était sorti, il n'y a pas d'avantage, je veux pas savoir. Non, c'est dégueulasse, il est tombé tout seul. Épaule contre épaule. Là, je suis pas d'accord, monsieur l'arbitre, je proteste. Là, je proteste totalement. Là. D'accord. Ça va, les mecs qui font des contres ultra chanceux, là. Va falloir se calmer un tout petit peu, là. Ouais, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution tout simplement. En plus ils me font des conneries comme ça. C'est pas touché, c'est pas touché. C'est pas touché, tant pis. Alors très très peu d'occasions, hein. Je vais en dire que j'ai un petit peu du mal à percer le rideau de Birmingham là. Ils sont tendus les garçons. Ils sont tendus. Ouais mais ça va putain. Tous les défenseurs centrales du monde sont plus rapides que tout le temps mes joueurs. Même si j'ai le joueur le plus rapide du jeu, je suis sûr qu'il serait quand même
Comment je prends pas le ballon en fait sur mon tacle? Là aussi, là, comment je fais pour pas prendre le ballon sur mon tacle, quoi? C'est mes joueurs qui font exprès en fait. C'est ça que vous voulez me dire. C'est mes joueurs qui font totalement exprès. Là, vous êtes à peu près bien placés, les gars, mais vous avez totalement déconné sur vos appels, hein. Parce que là, il y avait clairement mieux à faire au niveau des appels, hein. Putain, ce centre de merde! Ce centre de merde! Oh là là! Qu'est-ce qu'il était pas beau ce centre! C'est pas pour là. Oh, monsieur l'arbitre! Le but! Monsieur l'arbitre! Mais c'est qu'est-ce comment c'est possible ça? Je lui fais une passe et le ballon il rebondit sur son talon, quoi. Non, mais le mec, quoi. Bon, heureusement que Alvarez, finalement, on va pas dire qu'Alvarez, il s'est fait une auto-passe. Hop là, le talon de Akpom. Ouais, il s'est fait un auto-1-2 avec le talon d'Akpom. Ouais, c'est dévié en plus. C'est dévié parce que c'est contré, un tir contré. Mais il est cadré, je crois. Hein. À la base, il me semble bien qu'il est cadré ce tir. Allez, c'est la mi-temps, ça fait 1-0. On a pu percer le rideau défensif de Birmingham. Mais avec quand même un petit peu de chance, il faut quand même l'avouer. Un petit rebond avantageux. Faut bien que ça nous arrive aussi à nous, hein. Faut peut-être pas déconner. D'accord. Monsieur l'arbitre, il y a faute là. Monsieur l'arbitre, il y a faute. Il y a faute sur mon joueur. Je suis désolé. L'adversaire, il vient et me pousse en passant. Il a le droit. Je suis sûr que je fais la même, je fais faute. Gardien, tu me fais peur là depuis le début de l'épisode. Oh putain, mais là aussi là. Allez, Palacios. Qui aimerait bien avoir un petit peu plus de soutien. Oh la frappe, c'est contré, non? C'est pas dévié? C'est pas dévié? Il a fait un peu n'importe quoi. Pas fait exactement ce que je voulais. Mais bon, tant pis. C'est pas grave. D'accord, c'est pas pour là du tout que je la voulais, la tête, hein. Mais alors là, c'est pas du tout pour là. Bah, pourquoi mon joueur il se retrouve à terre? Peut m'expliquer et pourquoi lui il me prend de vitesse alors que moi je peux pas les prendre de vitesse. Ah non, sale queue, tu te fous de ma gueule. Comment tu peux faire un contrôle comme ça, quoi? Limite, tu donnes le ballon à l'adversaire en faisant ton contrôle. Il va revenir sur le côté. Je l'ai touché, ouais. Pourquoi tu reviens à l'avantage? Je peux savoir pourquoi il revient à l'avantage? Moi je comprends pas pourquoi. Parce que là ils sont dans une phase offensive. Pourquoi il revient à l'avantage? Il avait sifflé un avantage, hein. Il avait laissé le jeu tourner. Là il fait s'arrêter le jeu alors qu'ils ont une bonne occasion d'aller marquer. Est-ce que c'est pas du script ça? Est-ce que c'est pas du script? Si tu laisses l'avantage, tu laisses l'avantage. Si tu veux siffler la faute, tu siffles la faute. Ah, c'est pas possible ça. Quand même. Allez. On va se mettre en ultra offensif. Mais pourquoi je fais ça? D'accord. Forcément, le mec il est juste là pour contrer, quoi. Allez, il aurait bien fallu que tu partes un petit peu plus tôt, mais c'est pas grave, je vais pas t'en vouloir. C'est contré. D'accord, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait, mais madame, enfin bon. Il a cherché à tacler alors que je lui ai demandé de faire un centre. Est-ce qu'on fait des petits changements? Peut-être des petits changements. La rentrée de Van Beek, la rentrée de Banks, qui ira très très grand. Et peut-être une petite rentrée de Loveridge. Loveridge. Ou non.
Non, pas de l'overbridge. Enfin, si. Sauf qu'on va échanger les places, comme ça. Voilà. Juste comme ça. Parce que j'ai envie. C'était... Ouh, c'était bien joué, ça, pour Banks. Non, c'était pour l'overage, pardon. 23, c'est l'overage. C'était bien joué. C'était bien joué. La tête était belle, même si je la voulais plus loin au second poteau, parce qu'il y avait quelqu'un qui était tout seul chez moi. Allez, Banks. Banks, la tête, la tête. Le cafouillage. Non. Ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est un gros cafouillage. Ça aurait pu. D'accord. Pourquoi tu laisses pas l'avantage là? Là, j'aurais bien préféré que tu laisses l'avantage, tu vois. Ah, dommage, 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 dommage. J'ai été gêné. Obstruction, c'est l'arbitre. Obstruction. Monsieur l'arbitre, j'ai encore été gêné. Monsieur l'arbitre, j'ai encore été gêné. Décidément. Le centre peut-être pour la tête de l'overage. Oh, dommage, elle a trop piqué. Elle est salement piquée. Je comprends pas pourquoi il s'est retourné comme ça d'ailleurs, l'overage. Il a fait la danseuse étoile. Le coup de tête de la danseuse étoile. Il s'est retourné sur lui-même avant de faire sa tête. Ce qui n'est pas forcément intelligent quand on veut faire une tête à peu près précise. Oula. Tu peux m'expliquer ce que tu viens de faire là? J'ai pas compris. Je sais pas pourquoi tu. J'ai pas compris pourquoi tu m'as fait une poussée de balle comme ça, monstrueuse. Allez, Gersberg, tranquillement. Sur Palacios. Non, mais comment il peut la récupérer, quoi? C'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Banks, tu te fous de ma gueule. Banks, il se fout de ma gueule, Banks. Non, mais... Franchement, la passe, elle était sublime. La dernière, là, elle était sublime. Bon, c'est la victoire 1-0. Assez chanceuse, mais bon, c'est pas quand même non plus volé, hein, faut pas déconner. On a quand même fait. On a assuré le minimum syndical, on va dire. Le minimum syndical. Il y a un monsieur tout bizarre derrière, là. On dirait qu'il sort de la prison. Là. Il est en survêt et tout. Qu'est-ce qu'il fait sur la pelouse? Bon, 8 tirs, 4 cadrés, on n'a pas volé le match non plus, quoi. Mais, petit problème de. Ah oui, c'est vrai que je m'étais informé. 4 millions 7, ah ouais, mais j'ai pas les moyens. Mais t'es informé, des fois que le jeu me dise. Oh, ben t'as bien raison de me demander parce que justement il vaut rien, tu vois. Des fois ça lui arrive, le jeu, il fait ça. Y aurait-il man 3, un top TP cher. 2 millions, ça peut aller. 3 millions, ça peut aller. 1 million 2, ça peut aller. 5 millions 5, ça fait trop. 1 million 2, 5 millions 5, ça fait trop. Baptiste Alloué, j'ai demandé aussi pour Baptiste Alloué, je cherchais un défenseur central. 1 million 3, ouais, on est un petit peu juste, surtout que je pense qu'il doit être au niveau du salaire, moi je peux pas vérifier, mais tant qu'on n'est pas au mercato, bah si on est au mercato. Fares Balogui, c'est 45 000 euros de salaire, on les a largement pas. Un Alloué, ça va être à peu près la même chose. Ah non, c'est 10 000 seulement. Il est que titulaire occasionnel. C'était qui lui, un défenseur central? Luis Cano, c'est un attaquant, je crois. Ouais. Lui, va être payé une fortune, voilà. Lui, on m'a dit que c'est un bon attaquant. 1 million 2, je crois qu'il en vaut 900, 925 000, il me semble. On a les moyens, mais 1 million 2. De mémoire, il vaut 925 000. Donc, on va proposer 950. Merde, j'aurais dû proposer quelqu'un à la place. Gaël Sharp, qui est intéressant. Manuel Cossu, qui est aussi intéressant, mais 30 000 euros de salaire. Ce qu'on va faire, tiens. J'y pense, on va faire une petite demande de fonds à hauteur de 1 million, de 2 millions, de 3 millions, de 5 millions. Et on va dire être promu. Être promu automatiquement. Lutter pour la montée. C'est quoi notre objectif de carrière, s'il te plaît, monsieur? C'est quoi?
finir en milieu de tableau. Ça va, ça devrait être faisable. Donc du coup, je demande 5 millions parce que je suis largement au-dessus des objectifs pour aller lutter pour la montée. Coupe 16e de finale. On va dire 8e. Voilà. Ce sont des objectifs totalement à notre portée. Allez, le match contre Hull City. Ils vont jouer comme ça. Et on va jouer comme ça, nous aussi. L'équipe B qui va jouer. Brown, on va changer ça parce que je vois qu'il faut que je le change sur l'écran. Il faut que j'y pense. Mettre lui en titulaire. Gaël qui est un peu fatigué. On va mettre Brown sur le banc. Kultis Bank, Caton, Wilding, Azog, Van Beek. Van Beek a pris un point. Voilà, enfin, moi je pense que, à part ceux que je veux vendre, comme Gradison, qu'est-ce que je veux vendre? Je veux vendre Demetriou, je veux vendre Williams. Et après, je veux bien prêter à Agelopoulos et Guinelli. Après, j'utilise tout le monde. J'ai Smith en renfort en défense. Et après, j'utilise tous mes joueurs. Et je pense que mes joueurs sont. Pour l'instant, c'est même Gersberg qui a encore pris un point. 69 de général. Ça, ça fait plaisir. Ça fait qu'une demi-saison qu'on a Gersberg. Hein. Il a commencé, il était à 60, 62, 63, un truc comme ça. Et il est à 69 maintenant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, c'est un bon gardien, moi je l'aime bien. Il m'a fait un petit peu peur sur le match précédent quand même. Hein. Il n'a pas été assez. Pas été assez autoritaire, je dirais. Pas assez autoritaire. Il y a des très très bons joueurs à Hull City, donc on va vraiment se méfier. Se méfier comme de la peste. Sauf que des fois. Il suffit pas forcément de se méfier. Pour que ça passe tout seul. Une très très belle action. Exactement comme je la voulais. Voilà. C'est ça qu'on aime. Quand les joueurs ils font ce qu'on leur demande. Voilà. C'était très très bien joué. Voilà. C'était exactement ce que j'ai demandé. Et ça fait 1-0. Le but de Shaquel Kurtist. Pour l'ouverture du score. Shaquel Kurtist, je rappelle qu'on l'a payé la bagatelle de la fortune de 0€. Il nous a été vendu par Tottenham 0€. Donc pour un mec qui est titulaire dans mon équipe B, 0€ dans l'achat, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Surtout qu'en plus il est quand même assez jeune. Ouh, ça c'était dangereux ça. C'était directement pour Abdullah que je la voulais. Abdullah aussi un jeune joueur. Oula, Abdullah, non, je sens la merde. S'il a la vitesse pour aller jusqu'à là. Allez, Caton, le dieu Caton. Bien joué, le dieu Caton. Allez. La frappe, elle est plein sur les bras du gardien, mais elle est cadrée. La deuxième frappe de Shaquel Kurtist. Wilding peut-être. Oh là là, c'est dommage. Est-ce que c'est touché? Je suis pas sûr. Il a failli prendre un petit tacle dans les jambes. J'aurais préféré qu'il prenne le tacle dans les jambes. Tu vois, ça m'aurait fait un bon petit penalty. Putain, la prochaine fois, tu tombes. Tu t'écroules. Je sais pas, moi, tu fais semblant. Il n'y a pas une touche pour faire semblant. La touche de simulation. Ça serait tellement ultime quand on est ça dans FIFA. Ah, moi, ouais, monsieur l'arbitre. Obstruction. Obstruction, monsieur l'arbitre. Oh, c'est très très, très très bien remonté, ça. C'est très très bien redéfendu par derrière. Kurtist est descendu un petit peu trop bas. Ouh, là, on a la confiance. On a la confiance à Caton. Dommage, ça aurait pu, il était pas très très loin. J'ai vu qu'il était un petit peu démarqué, mais... C'était dans l'intention, c'était bien. C'est le genre d'intention que j'aime. Quand les joueurs ils font des appels comme ça. Non, il est très très grand ce joueur là. Bah bien joué, c'est pour nous. C'est pour nous. Bah c'est pour nous, c'est lui qui la met. Mais je la touche même pas moi. Voilà. Il s'est viandé comme une vieille merde. Ah dommage. Voilà, ça c'est bien joué. C'est bien récupéré. Pour Kurtist, la frappe de Kurtist. Monsieur l'arbitre, la main, monsieur l'arbitre, la main. Non. Non, c'est pas vrai, quoi. Deux fois contré.
tout cas, on est très dominateur en ce début de match. Non, c'était pas pour là. Ah, dommage. J'aurais dû la remiser. Je voulais la remiser à Kultist. Et il l'aurait eu dans l'élan. Ça aurait été sublime. Ça aurait été... Oh, d'accord. Ça aurait été sublime s'il l'aurait eu dans son élan, Kultist. Ça aurait été tellement beau. C'est pas ça du tout que je voulais. C'est pas ça du tout que je voulais. Kultist, tu sais, tu avais un collègue qui était juste à côté de toi. Je comprends pas pourquoi t'es allé chercher lui derrière. Pourtant, j'ai demandé une petite passe. Commence pas, garçon. Commence pas. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est passé des trucs un petit peu louches. Allez. On va aller chercher à défendre comme il faut. On mène que 1-0. C'est bien contré, Abdullah. Ce sera un corner. Il y a des gens qui sont très très grands du côté de Hull City. On en voit un en plein milieu, là. Qui est grand comme je sais pas quoi. Allez, gardien, tu t'imposes, là. Bien joué, gardien. Allez, on va jouer un petit peu sur le côté, tranquillement. On va poser notre jeu. J'aurais voulu qu'elle soit un peu plus profonde. J'aurais voulu qu'elle soit un peu plus profonde, c'est dommage. Il l'a fait trop en hauteur et pas assez en profondeur. Et c'est la mi-temps. J'aurais dû peut-être la faire à terre. En tout cas, voilà, les joueurs sont bien, là, ils sont motivés. On les sent motivés. On les sent impliqués dans leur match. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir quand t'as des joueurs qui font correctement ce que tu leur demandes. C'est sorti, monsieur l'arbitre, j'ai tout vu. J'ai tout vu, monsieur l'arbitre, c'était sorti. Oula, ça sent pas bon. Il y avait des appels croisés qui sentaient pas bon du côté de... pour nous, là. C'est sévère, monsieur l'arbitre, c'est sévère, là. Je suis désolé, c'est ultra sévère, hein. Je trouve que c'est ultra sévère s'il fait une faute. Bon, là. C'est vraiment ultra sévère la faute, hein, parce que je vois pas vraiment où il y a une faute. Hein. Là, tu peux rien faire. Hein. Tu ne peux absolument rien faire contre ce genre de choses. Tant pis. On va se mettre en ultra offensif. Non, c'était pas pour là. Ah, un petit peu trop long, c'est dommage. C'est dommage. Putain. Putain, quand ils sont partis, mais c'est incroyable, tu peux pas les arrêter, quoi. D'accord. Allez, est-ce qu'ils vont faire tomber le... le futur champion? Non, la passe a été vraiment pas très bonne. Oh, celle-là, elle était encore pire. Il a réussi à faire la passe encore pire que la première, quoi. Il m'a fait une petite feinte de corps. Monsieur l'ordinateur m'a fait une petite feinte de corps. D'accord. Ah, c'est très très bien joué ça, Abdullah par contre. Non, c'était pas pour là que je la voulais, c'était pour le plein axe, tu vois, c'est pour lui. Ouais, ton appel holding, il était pas terrible. Hein. Non, c'est quoi cette passe? Tu fais même pas la passe sur le joueur. Tu fais la passe sur le défenseur, tu fais même pas la passe sur le joueur. Non, c'était pas pour là. C'était pas pour là. Putain, les gars, vous abusez un peu, là. Le Kultist en appel, il est très très mauvais, là. Là, par contre, ta course, c'est ta course, du coup, qui est très mauvaise. Oh non. Ça, on aurait pu le rattraper, ça. Ça, on aurait pu le rattraper. Ça aurait pu faire notre affaire. C'est tendu dans ce match. C'est tendu. Il pousse. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait mon joueur? Il s'est retourné bizarrement. Il n'a pas perdu le ballon, heureusement.
Oh. Le dégagement qu'il a fait le joueur. Est-ce que c'est humainement possible de faire un dégagement comme ça sans s'exploser le pied? Tiens, Azog, il a pris un point de plus. C'est à 73. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a Banks qui a un petit peu du mal, assez absent. Donc on va faire entrer Woods. On prend un peu de vivacité. On va faire un petit remplacement là aussi. Est-ce qu'on fait rentrer Loveridge? On va faire rentrer Loveridge. Et on va rester comme ça. Hein. Ouais. On va rester comme ça. Ouais. Allez. D'accord. Ils s'entrent mal des fois, enfin très très souvent d'ailleurs, ils s'entrent très très mal. Comment il peut pas ne pas être crevé lui? Avec la course qu'il vient de faire. Moi j'ai mon joueur qui est mort, il est au bout de sa barre, et puis l'autre il est pas crevé quoi. Oh ce contre-favorable quoi. C'est dégoûtant les contre-favorables comme ça. Ça sent le but. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le but. Très très bien joué. Voilà, il y a un très très gros appel de Wilding là. Non, il se fout de ma gueule. Heureusement qu'on marque derrière. Il se fout de moi, franchement, Wilding. Heureusement que Woods y marque. Parce que là, le ballon, c'était pour qui, à votre avis, la passe en profondeur? Elle était pour qui? Elle était pour Loveridge qui était tout seul. Et est allé me chercher Woods qui était derrière. Heureusement que Woods il arrive à marquer parce que sinon là j'aurais ragé. Là j'aurais ragé. J'aurais ragé parce que je comprends pas pourquoi il est allé chercher Woods derrière. Pourtant je lui ai bien dit la passe en profondeur vers le bas sur l'overage. Et non, il est allé chercher derrière lui. Totalement derrière lui, il est allé chercher Woods. J'ai pas du tout compris pourquoi il est allé chercher Woods. Allez, Gersberg tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais on s'en fout de ton hors-jeu, là. Putain, le mec, il a un poil de cheveux qui a dépassé. Ça y est, hors-jeu. Même si c'était pas une seule seconde dangereux. C'est fini. Victoire en fin de match de l'équipe B, 2 buts à 1. Ça fait plaisir, quand même. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Quand on a pris le but, on les a sentis accélérer, quand même. Hein. On les a sentis accélérer. Proposition de transfert, demande de fonds supplémentaires. Et alors? Mais tu me donnes ce que tu veux. Je veux des sous en plus. Combien? 4,4 millions pour Crystal Palace. Non merci. On va le garder. On va le garder encore un peu. Une petite demande de fonds. Allez, bon d'accord, j'ai un petit peu abusé. Je te demande 3 millions. Je te mets lutter pour la montée. Ouais, lutter pour la montée, 8ème de finale. Mais on va faire ce match. Gersberg, tiens. Gersberg qui attire les convoitises. 1 million 9, carrément pas. Non, je le garde. Je le garde. Et Selke, pardon. Je le garde aussi. Fait quand même du bon travail. Un petit million alors. Deux petits millions. Ça va, c'est pas non plus abusé quoi. Ok. Donc 2 millions, ça serait pas trop cher pour lui. Il serait quand même assez intéressant. Il a des belles qualités. Tillman, bon, il est bon. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il est un petit peu cher. J'avais trouvé lui aussi, mais je sais pas s'il est bon. Je sais que lui, j'ai déjà entendu parler de lui. Castelletto, bah tout le monde connaît Castelletto. Bon, Charles Lopez, je sais qu'il est bon, mais il doit être encore super cher. Il me semble que Thomas Fontaine n'est pas mauvais non plus. Puis après, je crois que je dois avoir d'autres joueurs. Ah, bah tiens. Blackpool qui accepterait pour 950 000 pour 5 ans.
ce qui serait titulaire important. Non, on va abandonner. On va abandonner. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'un. D'accord, ce qui doit pas être très très bon. Castille est aussi mignon. Thomas Fontaine, il a joué au cerf. D'accord. Ok. C'était qui lui? C'était lui, ouais. Donc ce qui doit pas être très très bon s'il m'en demande si peu. Quoique des fois ça va arriver qu'il se plante totalement. Oh, tiens, on va acheter Agüero. On va acheter Agüero. Hein? Comme ça. On va jouer comme ça, face à Peterborough. On va jouer avec l'équipe 1. Oui, je sais, je change pas, je mets toujours Pelé alors que je pourrais mettre Azog en équipe A, mais j'aime bien Azog en équipe B. Voilà. Voilà. Akpon, celle que devant. Akpon, il a pas pris un point? Je crois que si. Hein. T'es à 68, je crois, avant. Ça fait plaisir, ça progresse petit à petit. Hein. Faut pas trop leur en demander, les pauvres garçons. Ils progressent petit à petit. Allez, match contre Peterborough. Donc, FA Cup, il me semble que si c'est match nul, c'est à rejouer. Pas de prolongation en FA Cup, je crois. Il semble que c'est ça, si je me plante pas. Allez. On est parti. Dans ce match. Incroyable. Avec un sale queue qui défendait le début de match. Qu'est-ce que j'ai fait? On peut m'expliquer où est-ce qu'il y a une faute? D'accord. Sur l'arbitre, il considère que ça, c'est une faute. Ouais, ça va, c'est pas non plus dangereux, quoi. Position de balle 100% pour Peterborough. J'ai pas touché un seul ballon. Allez. Allez, Alvarez qui est là. Alvarez qui est là. J'attends un appel dans l'axe, s'il vous plaît. Ça serait bien de monter un peu plus vite que ça. C'est trop tard. C'est trop tard. Il y avait l'espace, mais maintenant ils sont venus. Tels des Barcelonais en mordu de faim. Oh. Non, comment il peut? Est-ce que c'est pas scripté ça? Le mec, s'il est malin, je suis désolé, il perd pas le ballon là. Allez, Palacios, le centre, pour celle que la tête. Oh non, ça passe au-dessus. Comment ça peut passer au-dessus? Comment ça peut passer au-dessus? Il était tellement bien placé. Il avait pris le dessus. Et il a tiré au-dessus. Ça va avec. Ça va avec. Ah, dommage. Monsieur qui réagit en. Putain, le mec, il a le temps de revenir, quoi. Oh, c'était beau ça. C'est ça qu'on aime. Ah, sauf qu'on n'a plus d'appel maintenant. Ils sont passés en mode appel off. Là, il y a un bon appel dans l'axe, sauf qu'il est un petit peu trop tard. La frappe, oh là là, qu'est-ce que c'était mal frappé ça? Qu'est-ce que c'était mal frappé? D'accord, le type il fait sa passe en talonnade. Ouais, oh, monsieur l'arbitre, t'es un peu sévère quand même, monsieur l'arbitre. Hein, tu as le sifflet trop facile, hein. Faut se calmer un tout petit peu. Sinon, je vais pas arrêter de t'appeler de tout l'épisode. Enfin, c'est déjà fait, mais comme d'habitude. Je vais pas arrêter de t'appeler tout le match, encore plus que d'habitude. Juste pour t'embêter. Allez. Faites-moi preuve de votre technique un peu, mes joueurs, là. Face à ces joueurs de Peterborough. Voilà. Ça, c'était une bonne frappe, Pelé. Le bon mouvement collectif. Face à ces joueurs de Peterborough. Monsieur l'arbitre, c'est un but. Monsieur l'arbitre, c'est un but. Elle s'était bien jouée dans le petit espace. Et Pelé qui a fait le bon appel. Le gardien qui est surpris par la puissance de cette frappe. Et ça fait 1-0. Oh là là. Ouais, non mais je rentre dans les jambes. Moi, je suis comme ça.
D'accord. Mec de Peter Moore, 4e division anglaise, je crois, un truc comme ça. Hein. Type, il sait faire des gestes techniques comme ça. D'accord. Ils sont vachement bons les joueurs. Normalement, ils sont. À moins qu'ils soient en 2e division, je pense pas, non? Je crois qu'ils sont en 3e. Hein. 3e division anglaise. Hein. Je crois un maximum. Au maximum 2e, hein, mais pas mieux. Hein. Et encore, ça va pas être des ténors de la 2e. Enfin, je me souviens pas d'eux. Putain, ce tacle in extremis de la mort, quoi. D'accord. Les mecs qui se gênent, le deuxième qui veut pas récupérer le ballon. Ouais, c'était un petit peu fort, ça. Hein. C'est celle que c'est pas un paratonnerre. Hein. Pas non plus trop. On peut pas arrêter des trucs comme ça, quand même. Hein. La frappe, oh, c'est dommage, c'était tellement bien joué. C'était tellement bien joué. Ça frôle le poteau. Ça frôle le poteau. C'est dommage. C'est dommage. D'accord. Bravo le contrôle, garçon. Hein. Non, c'était pas pour là. C'était pas pour là, garçon. Tu diras, si je te dis pour devant, tu fais devant. Hop là. La frappe. Oh là 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 là. Ah, c'était dévié. Ah, j'ai cru que c'était totalement raté. J'ai cru que c'était totalement raté. Celle que. Oh non, ce qui c'est qui s'est blessé? Alvarez. De loin comme ça, je dirais que c'est Alvarez. Monsieur l'arbitre, non, il laisse continuer le jeu. C'est Alvarez. Ouais. Bon, ma vue ne m'a pas trompé. Bon, mais Alvarez. Blessure d'Alvarez. On va faire entrer Woods. On va faire entrer Woods. Oh là là. Eh oui. Et forcément, il se fait violer dans la surface de réparation. Non, tu me rends le ballon. Tu me rends le ballon tout de suite. Bon, c'est la mi-temps. Juste avant la mi-temps. Blessure d'Alvarez. Le coup dur pour Slusbury. Le coup dur. Allez, on va essayer de marquer un deuxième but parce que j'aurais pas envie de devoir rejouer ce match. Ça me ferait bien bien chier. D'accord. Jamais le mec qui te stoppe comme ça direct alors que normalement Woods il a une vitesse quand même assez bonne. Mais là il avait plus de vitesse, tu vois. Il avait tout perdu là. Il avait perdu tout le jus qu'il avait alors qu'il vient tout juste de rentrer, tu sais. Il avait perdu tout le jus qu'il avait. Il y a des trucs comme ça, hein. Des fois c'est dur de faire des accélérations avec des joueurs, hein. Même des joueurs rapides. Hein. Ce contrôle, quand est-ce qu'il était sale? Et cette passe aussi, qu'est-ce qu'elle était sale? On voit pas pourquoi elle était aussi longue. Jamais demandé une passe aussi longue. C'est pas grave. Ouais, cette passe, elle était aussi sacrément moche. Enfin, faut dire que celle que. Il n'a pas cherché l'appel, hein. Il est plutôt resté à sa place. Je pensais qu'il allait faire un appel, mais. Oh, monsieur l'arbitre, la faute! La faute, monsieur l'arbitre! Tirage de maillot dans la surface, là! Non, non, mais alors là, je suis pas d'accord, là. Là, il n'y a pas faute, là. Il n'y a pas faute! Bon, d'accord, pas dans la surface, mais. Là, il n'y a pas une petite faute, là. Il n'y a pas tirage de maillot là. Le jeu il n'a pas simulé tirage de maillot, mais pour moi il y a clairement tirage de maillot. Le type il le prend par la manche ou je sais pas quoi là. En tout cas, il peut rien faire mon joueur là. Monsieur l'arbitre ici il veut pas siffler les coups de pied arrêtés pour moi. Il veut pas siffler les coups de pied arrêtés pour moi. Wow, putain, cette balayette qui m'a mis, mais non, mais.
Ouais, mais celle que tu fais pas d'appel aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te passe le ballon? Oh, c'était bien joué. C'était tellement bien joué, dommage. Dommage, Jacques Pont. C'était très très bien joué. Techniquement, c'était ce qu'il fallait faire. Oh. Oh, d'accord. Le centre qui est contré. Le deuxième centre qui est pas contré. Et qui tombe sur les deux autres pélos qui est dégagé. Et qui tombe sur les deux autres pélos qui sont là derrière. À attendre comme des gros planqués. D'accord. Et là, il n'y en a pas un seul qui se dirige vers le ballon. Et là, j'ai mon joueur qui se casse la gueule. Mais deux joueurs qui se rentrent dedans. Le scénario idéal, quoi. Ça sent le but. Ça sent le but. Il y a 50% du script dans FIFA. D'accord, j'ai pas compris ce qui s'est passé du tout là. On va faire des petits changements parce que je vois qu'il y a quelques joueurs qui commencent à tirer la langue un tout petit peu. On va faire ça, on va faire entrer un petit Zampa de l'autre côté. Non, non, on va garder Woods devant. Non, on a fait nos trois changements, c'est fini. Blessure d'Alvarez, on a fait nos trois changements. On va directement sur Gersberg. Allez, on va chercher Van Beek. Il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu, Selke. Selke, il n'est pas hors jeu. La frappe et le but. Le but d'un pont de justesse. J'ai préféré la passe en profondeur plutôt que d'aller chercher une frappe, une éventuelle frappe ou autre chose, ou un petit geste technique qui m'aurait permis de mieux me replacer. Il était en bout de course en plus, Selke, donc c'est bien joué. De justesse. Akpon qui marque son premier but dans FA Cup, c'est normal. C'est notre premier match de FA Cup. Et ça fait 2-0, on vient un petit peu se rassurer là parce que j'avais peur à une égalisation en fin de match. On peut encore prendre deux buts, hein. Si là on en prend un par exemple sur cette chevauchée totalement extraordinaire d'un joueur totalement inconnu. D'accord, c'était. Est-ce que tu crois que lui il avait une seule chance de récupérer le ballon? Et quand tu fais des passes, tu réfléchis pas toi. J'aime bien aussi les espaces qu'ils arrivent à te trouver quoi. C'était pas pour là la passe. Ouah, monsieur l'arbitre, il y a une petite faute sur celle que là. D'accord, le type. Vous avez vu comment il me viole le mec? Non mais comment il me viole le mec quoi. Allez. On l'avoue, Akpon. Akpon qui est même pas plus rapide que son vis-à-vis, ça c'est forcément. Et hors jeu, t'es sûr de toi? Monsieur l'arbitre. Allons bon, monsieur l'arbitre. Washington qui rentre. Non, pourquoi t'es arrêté? Pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi il s'était arrêté dans sa course, mon défenseur? Bon, c'est la victoire. Victoire 2-0, FA Cup, ça fait plaisir. Tour suivant. Et blablabla, et blablabla. Homme du match, Choupa Akpon. On n'a encore une fois pas volé notre victoire. Bon, je passe 5 millions. 9 jours, ça va. Conférence de presse, on va jouer contre le Arsenal. Avec l'équipe B. Parce que nous, on s'en fout. On s'en fout. C'est la coupe bonus. Alors, c'est la coupe de l'équipe B. Son contrebalance de mal jouer contre demi-finale, c'est bien hein, pour une coupe qu'on joue pas, c'est quand même pas mal. Hein. Donc voilà, Arsène Wenger, admiratif devant Kersberg, bah, tu m'étonnes, est doté d'un énorme potentiel. Eh oui, c'est ça le flair, c'est ça le flair. Bon, c'est qui le meilleur buteur? Et ouais, mais on s'en fout. Donc, ils m'ont pas accepté mes sous-sous, hein, on est bien d'accord, non. J'avais demandé combien, j'ai demandé qu'un million.
Et on verra ça au prochain épisode. Pour cet épisode, c'est donc terminé. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette carrière sur FIFA 15 avec Shrewsbury. Allez, ciao.